Bienvenue sur ma chaîne. Ça y est, je vous fais la revue des deux produits que vous attendez depuis longtemps, que j'ai acheté au mois d'octobre. Donc là, c'est testé et approuvé. On verra ça après mon ressenti. On va déjà parler et prendre connaissance pour celles qui ne connaissent pas encore ces deux crèmes-là, la jour et la nuit. Je vous montre tout de suite et on en parle. Le packaging se présente comme ceci. Donc, c'est des crèmes de chez Garnier. Vous avez la Miracle Wave Cup crème, celle de jour. Et celle de nuit, on a la Miracle Sleeping Crème. Et en fait, c'est celle-ci qui m'a fait acheter, bien sûr, la crème de jour. Et ce n'est pas le contraire. Et c'est celle-ci franchement, ça a été une découverte de l'année dernière. Un coup de cœur et vraiment... Top, surtout pour le prix. Des fois, on n'a pas besoin d'aller chercher loin pour avoir une crème, je trouve, de qualité. J'ai pu prendre connaissance via des membres de ma famille, des smileys et de d'autres personnes, des collègues de travail à qui je leur ai conseillé de l'acheter. Ça leur est convenu. Et il y en a certaines, de toute façon, c'est comme moi avec L'Oréal, où je peux avoir, comme la bébé crème, la CC crème, j'ai eu des allergies, les encres à lèvres aussi. Donc, il y a certains produits qui vont me donner des allergies. Il y a sûrement des composants qui ne me conviennent pas. Il y a certaines filles, comme les bébés crèmes de chez Garnier, ça ne leur convient pas, les crèmes aussi. Allez donc savoir pourquoi. C'est parti, je vous parle des produits. Donc, ils se présentent comme ça, tous les deux, dans des pots. Déjà, le packaging, je le trouve bien. Voilà, je trouve simple, tape à l'œil, jour, nuit, vraiment top. Alors, on commence par la jour quand même, donc j'ai mes petites notes. Hein. La crème du matin, donc elle s'appelle la Wake Up Crème. C'est une crème anti-âge qui va lisser et raffermir notre peau et elle va aussi défroisser les signes de fatigue du vieillissement. L'anti-âge défatigant a un effet défroissant immédiat. Sa texture, elle est ultra lissante, hydratante, confortable. Rides et ridules sont lissées, la peau est visiblement plus ferme. Et jour après jour, son complexe anti-âge, il y a 7 actifs. Alors, les actifs qui sont dedans, on va avoir donc... je suis en train de chercher... l'extrait du riz, on va avoir pro-rétinol, LHA, adénosine, extrait des cellules végétales, acide hyaluronique, glycérine. Et ça va être pour tout type de peau non comédogène, normalement. Moi, je n'ai pas rencontré de problème avec ça. Et elle pénètre rapidement et son odeur est vraiment, moi j'aime, très légère, c'est... Et c'est même pas la même odeur, ce que je discutais avec certaines personnes, ce n'est même pas, voyez, il y en a presque plus avec le fond blanc, ce n'est même pas, vous voyez, elle est un petit peu colorée. L'odeur du pot, quand on l'applique sur soi, ça fait encore, je trouve, un peu plus fleuri et frais. J'aime beaucoup l'odeur. Alors, donc, Monsieur Garnier nous dit que ça a un effet défroissant immédiat, sa texture elle est ultra lissante, hydratante et confortable. Franchement, oui, j'avais du mal à croire en certaines qualités de crème, parce qu'avec toute la pub qu'on voit et tout ce qu'on peut nous dire, je me dis que c'est pas possible quelque chose d'immédiat. Et en fait, si vous voulez, quand on combine les deux, parce que je vais vous en parler après de ce produit là, mais qui est vraiment topissime, combiner les deux justement, parce qu'en utilisant celui-ci le soir, justement c'est pour ça que le matin vous allez avoir l'effet défroissant immédiat, parce que la crème de nuit elle va agir comme un masque et c'est elle qui va faire le boulot. Donc le matin quand vous allez vous réveiller, vous allez avoir votre peau qui va être défroissée, pas du tout fatiguée, voilà. Donc ça complète bien le soin de nuit dont je vous parle juste après. Donc sa texture est ultra lissante, je sais que c'est une texture par contre que les deux crèmes, j'aurais du mal par contre à utiliser le printemps et l'été. Elles sont quand même une texture, je vais vous montrer ça tout de suite, qui sont épaisses, vous voyez c'est épais quand même. Mais par contre ça pénètre bien, ça pénètre rapidement, je mets mon fond de teint, ma base, enfin tout ça, le maquillage et tout, vous voyez ça pénètre rapidement et
Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est là-dedans, mais moi, quand j'ai des crèmes épaisses, je les utilise surtout l'hiver. J'ai l'impression que ça hydrate et ça nourrit beaucoup plus ma peau. Ça la galbe, ça la raffermit, tout ça. Et il y a bien sûr des crèmes fluides qui font exactement les mêmes effets que les crèmes qui sont un peu plus compactes, on va dire, beaucoup plus épaisses. Donc pour moi, ultra lissante. Je ne vais pas aller dire jusqu'à ultra lissante, mais c'est vrai que quand j'applique la crème, ça lisse, ça m'hydrate, c'est confortable tout de suite, elle pénètre rapidement, elle a une bonne odeur. Et c'est vrai que ça ne va pas faire l'effet lifting, ne vous attendez pas à être comme ça du tout. Mais effectivement, ça défroisse, on sent que notre visage, quand on va commencer à travailler notre teint, on voit la différence après la crème. Enfin, moi personnellement, c'est ça. Mais bien sûr, ce n'est que mon avis. Voilà, ce serait un avis négatif, je vous le dirais pareil. Hein. Je n'ai pas de partenariat avec Garnier du tout. Mais je tenais à vous en faire part parce que vous êtes nombreuses à me demander, alors t'as revu, t'as revu, t'as revu. Et moi, c'est des produits que oui, c'est sûr que je rachèterai, que j'y reviendrai quand j'aurai fini de tester. D'ailleurs, ça va être dur parce que j'ai plein d'autres crèmes à tester. Et celle-ci, je pense qu'elle va me manquer. Donc maintenant, pour vous parler de celle-ci. La Mirax Sleeping Crème, en fait, c'est un transformateur de peau, c'est un masque et ça va agir la nuit. Donc, c'est comme une crème, vous l'appliquez et c'est un masque, ça va rester toute la nuit, ça va agir. Ça vient bien sûr de nos amis coréens, donc on a pu en entendre parler depuis longtemps. À ma connaissance, sur le marché, ça a été les premiers Garnier, je sais pas dans les grandes marques de luxe si ça s'est fait, je n'ai même pas cherché. Quand j'ai vu ça à la télévision, ça m'a interpellée et je me dis, bah, tiens, je connais pas Sleeping Crème, j'ai tapé sur Google et c'est là que j'ai vu que ça venait justement de Corée et c'était un masque. Alors, donc bien sûr, hein, ça vient d'Asie comme je vous ai dit. Donc cette crème a le pouvoir d'un masque. Cette crème, elle va agir sur les signes de fatigue dès le premier réveil et la nuit sur les signes de l'âge. Nuit après nuit, la peau est défroissée, éclatante, les signes de fatigue atténués. Donc pareil, il y a sept actifs complexes hein, dessus pour tout type de peau non comédogène. C'est très confortable, l'odeur aussi, j'aime l'odeur. Ben, j'arrive vraiment dans le fond là, on voit même plus d'ailleurs avec le jour. Ça a été une découverte. Autant, vous voyez, j'ai reçu de la part d'Octoly Biotherme la crème de jour anti-rides, la Blue Therapy Accelerated, en parlant bien français. Au bout de 15 jours, je peux pas dire, ah, je voyais pas, enfin, je vois pas. Donc, je pense qu'il faut attendre beaucoup plus longtemps. On sait qu'il faut mettre au moins 3 mois, il y a le renouvellement cellulaire, tout ça. Une crème s'habitue aussi à notre peau, c'est pour ça que des fois on a des boutons, donc peut-être continuer un petit peu pour que la peau s'habitue. Moi, j'ai pas rencontré de boutons, mais cette crème-là, quand je l'ai appliquée, déjà la texture, ça m'a fait bizarre parce que c'est pas les deux mêmes textures en fait. C'est des textures qui sont épaisses, mais celle-ci, je trouve, pour celles qui l'ont, hein, rejoignez-moi en dessous la barre d'infos et dites-moi si vous êtes d'accord, mais celle-ci, elle a une texture qui est une texture crème, mais je sais pas, c'est. Ouais, ça fait en même temps épais, masque, lait, crème. Je sais pas trop comment vous dire. Vous voyez, ça pénètre aussi vraiment rapidement et c'est doux, c'est confortable. Et effectivement, j'ai vu les effets, pas des rides bien évidemment, mais l'effet défatigant, l'effet lissé, je l'ai vu. Et le lendemain matin, le soir même déjà, ça sent trop bon. Le lendemain, c'est un confort, un cocon. J'ai vu les effets où je me réveillais et j'avais pas. C'est rare, moi déjà que j'ai les traces de l'oreiller sur le visage. C'est vraiment très très rare. Et ça, c'est un signe aussi ma copine esthéticienne, elle m'a dit, c'est qu'on hydrate bien la peau. Mais dès le matin, je voyais que ma peau, il se passait quelque chose. Voilà. Et ça a été pratiquement dans l'immédiat. Hein, que celle, je vous dis, de Biotherme, 15 jours d'utilisation, je ne vois pas d'effet. Donc j'attends là le sérum pour compléter, pour voir. Et je vous referai une autre vue sur ça. Mais sur ces deux produits-là qui sont à moins de 10 euros, je ne me souviens plus du prix exactement. Et moi, je les avais eu à 4 dans les journées beauté Leclerc.
et Super U, il y avait. Donc guettez ces journées-là, ou si vous voulez aller les acheter maintenant, allez-y. Mais franchement, moi, ça a été une belle découverte de l'année 2015. Ça a été des crèmes, enfin 2015, oui, c'était octobre, novembre, décembre, mais vous voyez, il m'en reste, donc ça va quand même loin. Et au départ, alors faites bien attention, parce que j'avais tendance, moi, à en mettre beaucoup. Donc il n'y a pas besoin, parce qu'elle se travaille bien et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais là, Garnier, je veux dire, chapeau. Hein. Moi, j'en suis parvenue. Et vraiment, donc là, vous voyez, mes anti-âge défatigant, transformateur de peau, celle-ci, ça a été pour moi un top. Et anti-âge défatigant, effet défroissant immédiat, voilà, c'est vraiment le combo à avoir. Je n'ai pas pris le soin et le temps, et là je suis en train d'y penser maintenant, s'il y avait au niveau des yeux, j'ai pas regardé, il faudrait que je fasse attention, mais alors s'il pouvait y avoir pour le contour de l'œil, ça serait topissime, vraiment. Celle-ci, normalement, une crème est plus appropriée au niveau de notre visage et notre cou, hein. Pensez à bien descendre. Moi, je me rends compte que ça y est, à 40 ans, là, cet endroit-là, juste là, là, ça commence à avoir changé, une petite peau fine. Donc voilà, et en dessous de l'œil, avoir beaucoup plus de ridules. Et normalement, on met un contour des yeux et tout ça, et ces crèmes-là ne sont pas trop adaptées parce que la peau est beaucoup plus fine. Mais moi, je sais que celle-ci, comme c'est un effet en plus masque, vraiment, je l'appliquais en dessous. Ouais. Voilà, les petites mallettes, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et je vous dis, moi, c'est top. Donc essayez, foncez, faites ce que vous voulez. Smile and zen.